mouvement, tu es selon le président de la République Macky Sall. Il veut tout simplement, chère population de Niagis, que vous fassiez partie de ces femmes-là qui bénéficient des financements de l'État du Sénégal. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pu débloquer 20 millions de francs CFA pour donner ce montant-là à 40 GIE de femmes pour vous soutenir dans vos activités de développement, pour vous soutenir dans vos activités génératrices de revenus. Parce que tout simplement, le président veut lutter contre les écarts flagrants qui existent entre hommes et femmes. Il veut dire, halte, ça suffit largement. Il faudrait désormais que les femmes aient accès à la terre, que les femmes aient accès aux facteurs de production, que les femmes aient accès au financement. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il m'a inscrit d'aller directement voir les populations de Casamance, en particulier pour ce 8 mars, les populations de Niagis, pour leur octroyer un financement. À qui? À ces braves femmes. Non, à l'Université Ndiata, non, Djumbe Ngoul, non, femmes travailleuses qui, 8 jours, se battent à 9 heures de journée. Dans les marchés, femmes ouvrières, femmes au foyer, femmes politiques, femmes économiques, leaders politiques, vous passez tout votre temps à travailler. Et aujourd'hui, tout travail mérite salaire. Et aujourd'hui, tout travail mérite récompense. Et c'est la raison pour laquelle nous avons amené ces 20 millions de francs que nous allons vous remettre tout à l'heure. Vous aurez un chèque au nom du président de la République, au nom du gouvernement du Sénégal. Vous le méritez au nom de toutes les femmes, au nom de qui n'est ni plus ni moins qu'Aliou Cité Diatta. Merci, merci, merci à vous. Et je remercie toute la délégation qui m'a accompagnée. La fête est belle, c'est grâce à vous. Vous n'aurez pas été là. Je vous en prie, laissez. Sans vous, je ne suis rien. Avec vous, je suis quelque chose. Ensemble, nous pouvons lutter et rendre émergente la Casamance. Et la Casamance émergente est un rapport.